qui va temporiser. Zedo ne trouvera pas de coéquipier. Oh, attention, il y a une triple touche de ballon. Potioy qui profite de cette situation. Oh, le man game de Potioy. Il y a Flo qui va bomb devant. Et oh, Potioy qui va venir la mettre au fond. Regardez-moi ce team play. Alors, c'est pas beau à voir, mais c'est terriblement efficace. Ça, c'était beau. Par contre, le man game de Potioy. Oh là là, Niak Flo qui lui a sauté dessus au moment où il avait décollé. Louis, c'est Frag qui récupère. Frag pour la forme là. Killer, ouais, oh Killer. Oui. Oh là là, Killer. Pour la forme et ouais, pour les pour highlights. La forme et. Ouais. Il s'est mis bien là. Regardez, regardez ce que nous fait Killer ici. Oh. Magnifique Killer. Ouais. Repoussé par Rivalo, Chap pour la prolongation, il reste 5 secondes, il est détruit, le joueur bleu de chaussettes qui en profite pour récupérer, et l'eau qui remet, Rivalo, oh, l'organisation de Rivalo Nero pour les Cytons. On n'y croyait plus, mais là, Elo qui vient gagner ce duel important, et Rivalo qui trouve le positionnement pour prolonger ce ballon au fond du but. Louis sera trop court pour mettre la pression sur Elo qui a retouché. Ferra le premier, il a gagné. Oh, oh, elle est belle cette retouche là de Louis. Oh là là, sur la frappe elle. Oh là là, ça oui, la frappe aurait été arrêtée. Ça c'est Louis. Ça c'est Groovy Louis. À l'approche du plane pour les RLCS. Certes, il n'y avait pas les meilleures équipes européennes dans ce tournoi aujourd'hui, mais il y avait du. Oh! Attention, Boyan! Attention! Ferme ta bouche, Boyan! Oui, oui! Bon, tu sais, j'étais en train de me dire, il va un peu vite en besogne, on sait jamais quand même, tu vois ce qui pourrait se passer. Puis, alors là, t'es sûr par contre que s'il y a une remontée, on part en BO7 intégrale. Là, t'es conscient. Mais il ne battra pas, ni Chaussette, ni Bluey. Ça revient avec Killer contre le backboard, le double tap à venir. Oh, Siki, superbe! Superbe l'intervention, la passe décisive de Siki sur le backboard. Oh, il y avait énormément de possibilités là. Parce que Killer n'était pas loin de la retoucher. C'est finalement Siki qui la décale en retrait pour Frag.